On parle des sites de rencontre, nous. Non. Non ? Bah, si. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va ? Merci. Non ? Allez, bisous. Mais... C'est quoi le projet ? En fait, on a essayé de faire une décoloration dans nos cheveux. Mais dans la rue, là ? Oui. D'accord. Et là, c'est quoi ? Vous rincez ? Oui. Oui, en fait, là, on rince pour voir le résultat. Glacé. Et alors, c'est comment ? Là, c'est glacé. On parle des sites de rencontre ce soir. Ah non, quoi ? Là, c'est gênant. Bah, je suis en date, je peux pas. Non. Si. Et un date au OkCupid. Hein ? Au OkCupid. C'est-à-dire ? C'est une application. C'est quoi ? De rencontre. C'est vrai ? Oui. Non. Si ? Bah, ça m'intéresse, non, vraiment. Oui, mais je suis occupé là, du coup. Bah, non, mais ça va, 5 minutes. Ok, tu peux aller un peu plus loin. Comment il s'appelle ? Non, je déconne, Antoine. Antoine, là c'est un gars que tu ne rencontrais, tu ne connaissais pas ? Deux fois, oui. Je... Ok, Antoine, mets-toi à l'écart, on va discuter un non. peu. T'as jamais été sur un site de rencontre ? Moi, non. Mais t'as pas eu envie de... Non. Moi, j'ai pas envie de faire des trucs comme ça. T'as envie de quoi, toi ? J'ai envie d'avoir un chat. Ok. Mm. Monsieur, un petit peu quand même. Je suis un vieux célibataire. C'est vrai ? Et je suis encore à un âge où j'ai pas besoin de site de rencontre. On se rencontre suffisamment de femmes seules à Paris qui s'emmerdent royalement. Comme ça, dans la rue, vous rencontrez comme ça ? Mais dans les bars, partout, il y avait partout, dans les squares. Je reviens du jardin du Luxembourg. Et alors, ça a chopé là-bas ? Des nanas qui s'emmerdent royalement, c'est normal, les mecs sont très cons. Donc, des types comme moi, avec une certaine élégance. Bien sûr, encore, tu ça marche bien, ouais. Je comprends. 73 balais, ah on ouais, se porte pas bien mal, quand même. Pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, et moi, comme là, je l'ai fait. Ah, et vous aussi, vous avez fait la décoloration ? Oui. Bah oui, mais lui, il rince pas maintenant. Mais pourquoi vous l'avez fait dans la rue comme ça ? Et j'ai pas de serviette. Ah, parce qu'en fait, non, c'est aux gens que sont libres de faire ce qu'ils veulent en fait dans la rue. Genre à mode. Ah, c'est pour montrer aux gens ça ? Oui. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire ? J'ai été marié 6 mois de ma vie. Non. J'ai vu tout de suite. Ah, mais vous êtes très pas... chaud. C'est... Non, non, c'est pas ça. C'est que moi, j'adore vivre seul. Okay. Vivre à deux, pour moi, c'est un enfer. Ah ouais ? Des emmerdes ? Ben ouais, il faut faire des concessions, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin c'est chiant quoi. La plupart des couples s'emmerdent, n'est-ce pas madame ? Ouais. Et ça fait combien de temps que t'es dessus ? Moi, des années. Non. J'installe, je désinstalle. C'est vrai ? Ouais. Et oui. Appen, t'as déjà fait Appen ? J'ai fait Appen, j'ai fait Fruits, j'ai fait Bumble, j'ai fait Tinder. Là, il y en a une nouvelle qui s'appelle Field, pour des plans à plusieurs, c'est incroyable. Et t'as fait ça ? Non. T'as fait ça ? Non. Ah pardon. J'ai téléchargé, c'est tout. Ouais. Incroyable. Mais j'en connais pas, attendez, je sais pas, il y en a une qui est passée à la télé, mais... Appen, c'est ça ? C'est Appen que vous connaissez ? Ne me faites pas dire ce que je vais pas dire, mais... Non, non, mais je sentais que vous allez dire Appen, non ? Non, parce que je viens de vous dire que... Ah, je croyais que vous allez dire Appen. Désolé, mais je peux pas faire de la pub pour quelque chose que je connais pas. Ah, pas du tout, non, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Merci, ni hao. Jin tian hen gao xing zai zhe ge ba li de jie tou. 那个正好有个随机的采访，看今天已经是法国的那个旅游季节旺季，不过路上还没有很多行人。我想，随着那个疫情快结束，中国的游客应该抓紧回来。马上就 2024年 奥运会在巴黎举行。 Et vous travaillez ou un peu ou pas ? Moi, je travaille pour le Royaume de Dieu. Donc j'attends un petit peu que je rentre dans mon appel et puis voilà. Ça consiste en quoi ? Évangéliser, puis sauver les gens, sauver leur âme. Ok. Et ça, c'est ? La Bible. La Bible, je peux... Tu veux ? Incroyable. Tu veux la lire ? Je veux en voir comment c'était... C'est ça. Okay. La Bible. Ouais. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est la leçon. Il vous appelle à la repentance. Ici. Il vous appelle à l'amour. Il dans vous ce micro-là. À la joie. Non, j'en ai un, on m'entend là. Non, mais c'est là qu'on prend le sang, nous. D'accord. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre maître, notre Dieu, vous appelle à la repentance. Moi j'ai froid là. Et là, mais là c'est pas totalement rincé là. Ah ouais ? Non, ouais. Il reste encore en fait, du rouge. Si, c'est parce que c'est... Non, il reste encore du rouge sur le... Ouais, faut rincer encore. Ah, mon maquillage ! Bon là on n'est pas assez après. Hein. Il passe vraiment après ton maquillage. Ah ! Ouh là là, tout rouge, c'est ça. Ouais, vous m'avez taché les chaussures. Oh là là, c'est de la coloration ? Bah range pas ça. Bah en fait ça part. En fait mais... ça part. Ça part ? Oui. Ok. Pas trop non ? En fait c'est une teinture, pas une décoloration. Ok, j'ai génie ça. Mon profil il est ouf. C'est quoi ? Bah... Et toi, t'as quel âge ? 26. Et ça fait longtemps que tu cherches l'amour ? Des années. C'est vrai ? Ouais. Et t'arrives pas à trouver ? Non. Ok.
Il n'y a jamais un qui m'arrive à la cheville. Et là, Antoine, c'est genre sérieux ou... Arrête. Non, dis-moi. Je sais pas. Ou c'est juste pour s'amuser ce soir? Ah, écoute. Dis-moi. Je sais pas. Femme hétérosexuelle? Ouais. Queer, c'est quoi queer? Queer, c'est genre... C'est quoi? C'est un truc bizarre? Queer, c'est... C'est... Bah dis-le, hein. Je sais pas, dis-moi. Mais, non, mais c'est en fait, c'est un mindset, tu vois. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Queer, c'est... Ouais, j'aime tout, quoi. Fille et garçon? Non, j'aime la diversité, le fun. Non mais ça veut rien dire, dis-moi, ouais, dis les mots, queer ça veut dire quoi? Mais faut que je regarde Google. Bon bah regardons Google, on va sur Google, queer. Donc t'as mis un terme que tu ne connais pas. Queer ça veut dire enfin à l'époque... Ah, bisexuel, bah c'est non, bon, bah dis-le. Bizarre, ça veut dire bizarre. À l'époque. Bizarre, okay. Ça désignait les trans, etc. Okay. Aujourd'hui c'est un mot positif. On est à la Pride Month là, donc... Ce mois-ci là? Ouais. Incroyable. Tu peux taper queer, juste qu'on ait la définition s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que t'es pas très clair. Bon alors pour trouver l'amour, un petit message quoi. Pour trouver pour, l'amour. Trouver l'amour. Ouais. Voilà, je suis un mec célibataire. Mon numéro de téléphone direct, zéro. Je peux le donner et vous coupez pas ça. Ça du coup, ça je donne mon numéro de téléphone. Ouais. Moi, voilà, je vous ai aidé pour faire cette interview. Ouais. Et vous allez m'aider à trouver une femme. Ah oui, je laisse mon numéro de téléphone. Ah, on le laisse 07. Si j'ai pas oublié. Queer, personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant, c'est moi. Ok, une grosse folle quoi. Voilà. Je vois. Je pense que chacun voit la vie dans son angle et tous les angles de la vie, ça contribue à la vie tout simplement, donc chacun est libre de ce qu'il veut. 07 49 26 59 06, merci, mais plein de bisous. Là vous avez beaucoup d'appels là. Non, justement, mon téléphone il est sous garantie, je vais le chercher chez Darty. D'accord. Tu respectes pas les garanties, les services, ça va. Allez. Non, là, juste si on met le numéro, vous allez avoir beaucoup d'appels. Oui, à partir de cet après-midi, de préférence demain, parce que j'ai mon téléphone là. Non, ce que je veux dire, c'est que là, si on met... Je ne crois pas que vous allez réserver cet espace-là, ce temps-là, pour vous ? Pour moi. Ah si ? C'est vrai ? Ouais. C'est-à-dire que toi t'as à peine, moi j'ai à peine. Ouais. On se croise. Vas-y, on se croise. Ok. Là, boum, nos applications. Les applications là, elles ont connecté. Et bah, j'ai ton profil qui apparaît. Ouais, j'ai ton profil qui apparaît, je peux liker. Si toi tu likes le mien, je t'ai craché dessus, pardon. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. Et bah, du coup, on peut commencer à discuter. Ok. C'est incroyable, non? Et là, tu veux faire genre que j'aime bien l'appli? Ouais. Ok. Tu peux me redire vite fait et après, je fais genre, ouah, c'est incroyable. Ok. Ok. Toi, t'es pour les sites de rencontre ou pas? Ouais, non. Ok. Et en fait, si elle like aussi, il y a un crush, et là, on peut commencer à discuter. Ah bon? À discuter uniquement? Ouais. Bah oui, c'est après. C'est une discussion. Bah c'est un bon début. Ouais, parce que moi, j'ai le sous-sol qui est libre. Hein. On va d'abord discuter. Je like là ou pas? Like. Bah non, mais il faut rader quand même. Hein. Quoi? Mmh. Omnivore, fume des cigarettes, régulièrement, ne bois pas. Tu bois pas? Jamais. C'est vrai? Jamais. Ah, j'aurais pas dit, tu vois. Je sais, j'ai l'air bourré naturellement, c'est bah que oui. Je suis fun. Incroyable, toi t'es fun toi. Ouais, de ouf. Ok. Fume parfois des joints, n'a pas d'enfant mais pourrait en vouloir. N'a ah, pas veux, d'animal ouais. De compagnie. Si j'en ai un, faut que je change putain. T'as quoi? J'ai un chat. Ok, comment il s'appelle? Pumpkin. Waouh. Citrouille. Mais... Sympa, t'as le visage en fait, t'es cool. Cool. Voilà. Ouais. Vous aussi. Bah ça va. Beau gosse, la coupe de cheveux et tout, stylé. Toi aussi. Juste là, si je mets le numéro dans la vidéo, il va avoir beaucoup d'appels. Hein. C'est pas grave, je changerai de numéro. D'opérateur carrément. D'opérateur quoi. De pays. Bon courage. Non mais donc là je mets vraiment le numéro dans la vidéo. Oui, oui. Okay, alors... Franchement, mais que de sérieuse. Parce que franchement, j'ai des exigences. Alors des c'est exigences. Quoi c'est quoi les exigences? Les exigences, déjà, la femme, elle peut profiter de la vie, pleinement de la vie avec moi. Mais il y a des conditions qu'on peut s'arranger entre nous. Alors c'est quoi les conditions? Et les responsabilités, ça se partage. Ça se mélange pas les responsabilités. Femme, homme. Et voilà. Une serviette. Bah là on n'a pas de serviette là. Prends le pull. Enlève ton pull. Oh, non. On va aller là-bas, on va aller te demander une serviette. Mais vous avez dormi cette nuit ou pas? Non. Nuit blanche. La nuit, eh ouais. C'est ça le problème. Et là on n'est pas fatigué. Mais allez vous coucher parce que là il faut pas prendre des décisions comme ça de bon matin. Bah de froid pas. Ah ouais. Mais comment vous abordez les gens dans la rue? Faut avoir du cran quand même. Moi, c'est du cran, bah, du humour. Le rire, mon ami. Le c'est vrai rire. Y a une petite blague. Une petite blague, le rire. Là, par exemple, moi, je suis une meuf et je vous plais. Comment vous faites? Écoute, t'as rien d'une meuf, excuse-moi. Quand on est bien habillé, tout ça, on arrive à avoir des regards, mais. Je dirais qu'il faut juste deux hits. Il faut y aller, quoi. Faut leur parler. Hein. Sinon, ça sert à rien, les apparences. Vous arrivez à aller vers l'autre comme ça pour draguer?
Non. Alors, du rire. Ouais. De la culture quand même. Ouais. Faut pas être un gros beauf quand même. Mmh. Tu vois, un peu de culture, un peu de. Et en plus, c'est des étrangères, tu leur fais visiter Paris. Moi, j'adore Paris. Je connais bien Paris. Comment vous appelez ? Bernard. Bernard, hein, si tu veux. Et Bernard, patron des alpinistes. Donc, avec Bernard, on n'est jamais plus près du 7e ciel. Ah, ok. Un petit peu bof comme ça. Bon, sur ce, je vous quitte. Vos parents vont bien ? Bah, ouais, tranquille. Hein. Votre mère, elle est sublime. Hein. Ouais, ouais, stop. Ouais, c'est une... Faut cesser. Faut cesser. Vous la connaissez, sa mère ? Guillaume, il l'a pas jamais vu, non ? Si ? Non, il l'a jamais vu. Elle a des yeux, mais c'est fascinant. Ouais. Bah, moi, j'ai les mêmes, hein. Oui, mais vous êtes. Enfin, c'est vrai que vous êtes un peu. Vous faites un peu efféminé quand même, ça, avec ces yeux-là. C'est vrai ? Elle, ça lui va vraiment bien. Et puis elle est encore bien roulée, hein. On se calme, par contre. Je rigole pas du tout. Pourquoi ? Vous protégez votre mère ? Ouais, comme ça ? Ouais. Bah, vous... Moi, je dis pas d'Elisabeth qu'elle est bien roulée. Oh, bah, vous pourriez le dire, moi, ce serait une. Bah, déjà, elle est pas bien roulée. Ah, si, elle est pas mal roulée. Ah, regarde la bio, regarde la bio. Tu sais que j'aime beaucoup, hein. Ma bio cherche un mec drôle avec qui casser des barres. Wow. Catastrophique. Comment ça, catastrophique ? Ça donne... Je pourrais probablement vous battre à Pierre Feuille, Pierre Papier Ciseaux. Je suis une brute sans puits. Wow. Mais ça, tu trouves personne avec ça en fait. Il y a trop de. Tu pars dans tous les sens. Bah là, les bio et bah, tout. Bah j'ai bien ça... trouvé quelqu'un là. Non, mais lui va partir, il restera pas. Hein. Tu resteras pas, Antoine. Bah ouais. Du coup, c'est quoi les conditions pour la fille ? Parce qu'on a... Vous avez dit qu'il y avait des conditions, mais on les connaît pas. Les conditions, il faut qu'elles soient normales. Ouais, et ça va. Normal, pas ça par rapport à 2020, normal. La norme, c'est 10 ans en arrière. Ok, normal en 1990. Voilà. Ok. 90 ? Non, 2000 ? Je dirais plutôt. Attends. 2000, ouais. 2000. Ok. Ouais. Donc normal pour 2000, et après, quoi d'autre comme condition ? Quoi d'autre condition ? Je l'apprends à faire du couscous. Cool. Moi, je vais faire autre chose. Mais elle va faire que du couscous. Ok. Les autres choses, c'est moi. D'accord. Juste le couscous. Et du thé. Et du thé, ouais. Ok. Tu m'attendais sur le bord du quai. Je me rappelle plus quand on s'est rappelé. Tous les jours, je mangeais du thé. Mais tu me disais qu'on boit le thé. Ça, c'est une composition que t'as écrite ? Ouais. Ça s'appelle le thé. Et surtout, le cœur d'amande, là, c'est trop sucré, c'est trop bon. Je vous conseille vraiment vivement de manger ça. Cœur je comprends pourquoi vous trouvez pas l'amour. Hein. Pourquoi ? Je viens de comprendre là. Pourquoi ? Parce que là, le truc du couscous plus le thé, ça peut faire peur au début, quoi. Non, franchement, non. Non, 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 non. Non. Ça peut faire peur au début, comme ça, en 2020. Ouais. Ah, mais en 2000, mais... non. Pas en 2000. Voilà. Oh, ok, c'est voilà, pour ça que j'avais compris. En 2000, on peut se comprendre. Okay. Et là, vous allez vous coucher quand ? Bah, ce soir. C'est vrai ? Oui. Nuit blanche, là, après ? Non, plutôt demain, en fait, parce que ce soir, on va refaire la nuit. Night. Mais personne rentre chez lui, là, entre-temps ? Non. Là, si. Demain. Une petite douche, non ? Bah, si, quand même. Quand même. Vous avez fait quoi ? Bah, on a bu des coups, quoi. T'as bu quoi ? Bah, ginger beer. Donc, lemonade. Tu bois de l'alcool ? Mais non, ginger beer. C'est quoi, ginger beer ? Ginger beer, c'est une boisson épicée comme avec du gingembre. Ok, d'accord. C'est ah, pour, ouais. Tu vois ? Et t'as besoin de gingembre, toi ? Pour ? Bah, je sais pas, pour. Pourquoi ? Bah pour Antoine là. Bah oui, un petit peu. Tu l'as shooté au gingembre pour qui ? Pour qu'il veuille de toi en fait. Oui, c'est ça. Incroyable. Couscous avec quoi comme viande ? On peut même mettre des crevettes. Crevettes. Dans le couscous ? Ouais, mais disons royal. Couscous. Je vais faire du couscous royal. Où y a un mais vous savez tout. Le faire ? Très bien. Et pourquoi vous le faites pas là ? Bon, parce que moi, quand je me fais à manger, je mange pas. Ok, il faut que quelqu'un vous fasse à manger quoi. Voilà, et wow. Moi je lui fais à manger. Comme ça on se partage. Particulier. La vie c'est comme ça, voilà. Ouais, je vois. La vie c'est comme ça. Et là vous allez où là ? Et la meilleure chose c'est de manger chez quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ouais, gratuitement. Ouais. Bah ouais. C'est la meilleure chose. Bien sûr. Voilà. Mais ça c'est quoi comme application ? C'est. Inch'Allah.com. Inch'Allah. Inch'Allah.com. Ouais. C'est un truc de rencontre ? Oui. Ok, incroyable. Oui, tu as dit ça va, enchanté. T'as dit bonne recherche. Tu as dit moi je veux toi. Ouais. Elle a dit moi je veux pas. Ouais, bon, oui. Bon, moi c'est clair. Toi, tu vas droit. Et tu l'as dit, je suis très triste, je suis tombé amoureux de toi. Ouais. Il n'y a pas eu de réponse. Ouais. Non, mais toi, tu vas trop vite. Hein. Ouais. Tu vas beaucoup trop vite. Faut aller doucement. Mais oui. Ouais, faut pas la là, tu fais peur là. Je suis amoureux de toi au bout de deux messages, c'est beaucoup trop. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin d'un site de rencontre pour rencontrer ma femme. Vous l'avez rencontré où ? Je parle à mon père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et il m'enverra la femme qu'il me faut. Et il vous l'a envoyé là ? Il vous l'a envoyé ? Oui. T'as une femme ou ? Ouais, j'ai eu un bébé. Non. Et elle a même des dents. Incroyable. Principe de bébé quoi. Et complètement.
Il fait bon aujourd'hui, hein. Soleil là. Déjà ça te prime. Oh là là, les phrases sont atroces hein, que vous dites à chaque fois. Faut un peu plus de positivisme. Ah, j'étais l'homme le plus heureux du monde, mais depuis que je me suis fait attaquer par le diable et sa corde de démon, ça m'a tué. Je comprends. J'aime bien le look un peu country. Petite Santiago. Ah, les Tiag, elles sont incroyables. Hein. Ça, c'est fou. Hein. J'ai eu 5 compliments ce soir. Et combien 5 compliments 5, et constamment dans la rue, on m'arrête. Ouais. Généralement des hommes cinquantenaires, style papa, tu vois, sac à dos et tout. Génial, les boots. Mais c'est jamais des nanas qui me complimentent, tu vois. Et un jour, un barman m'a dit, c'est parce qu'elles sont jalouses. Possible, ouais. Tu peux peut-être aspirer à la jalousie, toi. Ouais. Vous, votre femme, vous l'avez rencontrée où? Non, moi, c'est en discothèque, moi. Ah ouais, ouais mais comme moi, ça. Mais moi, après, voilà, je suis... DJ? Non, 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 pas du tout. Ah. Non, c'est ma... Moi, avant, j'étais hétéro. Ok. Et maintenant, moi, je suis avec une transsexuelle, donc... Du coup, ok, d'accord. Moi, j'assume totalement. Donc, c'est pour ça. Ok. Ouais. Et ça s'est fait comment, la... En discothèque. Non, mais comment vous êtes passé d'hétéro à homo? Vous êtes homo, du coup, ou bi? Plus bi. Ok. Mais bon, après, c'est plus. Dans la tête. Plus dans la tête. Bah, un petit dernier mot sur ce que tu veux maintenant. Sur ce que je veux? Ouais, sujet de ton choix. Ah, carte blanche. Je te laisse une carte blanche, sois pertinent, vas-y. Ah ouais? Ouais. Oh, pète sa mère. Je veux un chat. C'est tout? C'était la carte blanche là? Ouais. Elle est restée blanche. Je veux un chat et même s'il est pas déclaré. C'est-à-dire? Bah, même si tu l'as volé, je le prends. Un chat volé quoi. Ouais, un chat volé. Et quand les gars qui te plaît, t'accostes ou t'attends que... J'accoste parfois. Ah ouais? Ouais. Comment ouais, tu fais? Ouais, je fais... C'est nul. Hein. C'est quoi? Comment tu fais? La dernière fois, j'ai dit salut. Il se trouve que tu me plais et que non, j'aimerais bien t'embrasser. Vrai? Alors si c'est oui, cool. Sinon, c'est pas j'aimerais très grave. J'aimerais t'embrasser direct? Une très bonne soirée. Oui, il se trouve que ça faisait déjà longtemps. Qui te plaisait? Ouais. Ok, et alors il a dit quoi? Il m'a dit non, parce qu'en fait il y a déjà une fille qui est dans la soirée. Non. Et j'ai dit ok, cool, mais on peut faire comme... Ouh, c'était marrant. Et vous pourriez revenir avec une femme après? Non. Ah, donc vous êtes pas bi? On va dire, je suis plutôt homo. Non, pansexuel. C'est quoi pansexuel? Pansexuel, c'est quelqu'un qui est très ouvert, moi pour moi, hein, qui est très ouvert d'esprit, qui se prend pas la tête, moi je me prends pas la tête. Et après, voilà, après, je pourrais encore faire avec une femme, avec une trans, ou même avec un mec. Un mec, ça dépend. Moi, je vois plutôt le mec qui est efféminé, vous voyez, okay, d'accord. Pas viril comme moi avec là-bas. Ouais, ça m'attire pas. Voilà, c'est ma manière de penser à moi. Ok, toi, t'es en couple? Oui, j'ai deux filles. C'est-à-dire, t'as deux filles? J'ai une fille de 2 ans et là, elle est enceinte de 1 mois. Je comprends pas, t'es en couple, quoi? Oui. Ok, et t'es père? Oui. Mais t'as quel âge? J'ai 18. Ah ouais? Et t'as déjà eu un enfant et tout? Ah ouais, très mature. Et là, cette nuit, tu t'occupes pas des enfants? Ben non, parce que je suis avec leur mère. Donc Mais pourquoi, t'es séparé? Ouais. Attends, elle est enceinte et vous êtes séparés? Ouais. C'est quoi le projet? Ah moi, comme je lui ai dit, si elle a besoin de que je rende des services, que si elle a pas le droit de dormir, qu'elle vient chez moi, genre moi, je m'en fous. C'est pour nos enfants, en fait, qu'on fasse ça. Sinon, voilà. Et vous êtes séparés quand? Il y a 2 semaines, là. Mais c'est définitif ou peut-être tu vas te remettre avec? Ah ouais, définitif. Ok. Non, définitif, franchement. Donc là, t'as 2 enfants, là, 18 ans. Ouais. Incroyable. Et toi, t'as des enfants? Ouais, j'attends. Elle est c'est vrai? Ouais. Non. Et t'es en couple? Ouais. Mais séparé ou? Non, enceinte. Ah, ouais. Ah, ok. Et ça fait combien de temps que t'es en couple? Ça fait 2 ans. Et t'as quel âge? 19 ans. Putain, vous avez des enfants tôt? T'en as pas? Non. Alors, John. Non, on sait jamais sur quoi tu peux tomber. Ah là, ouais, non, mais attends, vas-y. Bah non, mais ça va pas, c'est privé là. Non, coupé. Tu casses des barres, toi. Donc le mec a voulu faire la ref à la bio. Et non, il m'a dit, bah moi je casse des culs. Et alors? Il t'a. Non. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire quoi? On va changer, on va s'habiller pareil. On va mettre les mêmes chaussures, on va faire un bête de outfit. Et après, ben, on va se rejoindre là. Et ce soir, tous ensemble en groupe. Allez ressortir. On va faire la night. Et quand est-ce que tu revois tes enfants, toi? Enfin, ton enfant? Ben, je vais l'avoir quand je vais rentrer. Et après, tu repars? Ouais. T'es pas très attaché, non? Bah si. Je me suis occupé quand même de ma fille pour l'instant que la mère, elle a abandonné quand même ma fille à ses 2 mois. Ouais, à ses 2 mois pour un autre mec. Ah oui? C'est moi qui me suis occupé de ma fille avec ma mère. Et après, bah, d'un coup, elle est revenue comme ça. Et t'as refait un enfant avec? Parce qu'en fait, je pensais que c'était la femme de ma vie. Qu'en fait, je sais pas comment vous dites. Ah ouais, c'est ça. Quand vous pensez que c'est la femme de votre vie, vous vous dites putain, t'as envie d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 gosses avec la personne. Mais... Ouais. Je suis à un mariage, enfin c'est fini, du coup je suis à l'hôtel. T'habites pas à Paris?
Et là, elle dit, c'est où ton hôtel? Vas-y, stop, mollo. Stop, c'est bon. T'as fini à l'hôtel? Je sais pas, mais... Bah si, on sait. Je t'ai dit de lire d'abord dans ta tête, bah oui, et voir si c'était border. Bah là, ça commence à être border, mais, je crois. Non, mais est-ce que tu te rappelles avoir fini à l'hôtel? Non, du tout. Ok, bon, ça, alors, du coup, on peut discuter. Bah, je sais pas. On peut lire. Mais c'est du fast-food humain. Ça, t'es contre? Non, frère. En mode, tu dois rencontrer ça naturellement. T'as capté? J'ai capté. Sauf après, que... les gens qui sont timides. Bah, les gens qui sont timides, force à eux. Mais on est grave pas en blanc. Ensemble. Ensemble. Waouh. Waouh. Je suis pas du genre sympathique, je suis plus rentre dedans. Il a dit ça? Non, toi t'as dit ça. Eh, Antoine, il est parti très loin. Il a dit ça. Bon, arrête. Mais ça veut dire qu'en fait, je ne comprends même pas les choses. Je sais pas, il est 3h, t'as envie de ken, voilà, c'est tout quoi. Ah bah voilà, bah nickel. Voilà, un petit dernier mot, on termine, après on vous laisse dormir parce que un vous quoi, êtes très fatigué. Un petit dernier mot. Un dernier mot de quoi? Bah sur les sites de rencontres et à peine quoi. À peine, ce sera le futur, c'est l'amour du futur. Allez-y, sans écorcher la phrase. À peine, c'est c'est l'amour du futur. Allez, refaites-le sans écorcher la phrase quoi. À peine, c'est l'amour du futur. Sans l'accent allemand au début là. Innove. Innove? Encore? Sur un autre sujet. Mais tu m'as dit les sites de rencontre. Non, moi je te dis un dernier mot, après tu fais le sujet que tu veux. Ah, un dernier mot. La vie est belle, sauf les poubelles. C'est bon. Donc voilà. Vous fumez, vous? Hein? Vous fumez? Plus. Ah ouais? Aujourd'hui, vous avez fumé longtemps? Ouais. Il y a la voix du fumeur un peu. Bah, j'ai la voix du fumeur, j'ai surtout la voix du fumeur de joint, longtemps, mais c'est fini ça. Et pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'ai pas besoin de fumer pour faire un tabac, monsieur. Allez, je vous laisse. Ouais, il vaut mieux. Hein. Allez, bisous. Hein. Ciao Bernard. Il y a les pompiers, les pompiers. Arrête. Dis pas de conneries. Sam le pompier. Vous avez voté là pour les législatives ou pas? Je sais pas, j'étais sur Appen. Et vous êtes très fort là-dedans. Ça, c'est très très fort. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un autre. Esquisse. C'est quoi ça? Ouais, c'est un site de rencontre, vous pouvez le taper, c'est très ancien, c'était très bon. Mais c'était quoi? C'était un truc chaud? Parce que... Très chaud. Oh, très. Ah ouais? Exquise, comme vous le voyez. Effectivement. Et c'était quoi le principe? Le principe, c'est comme vous le savez, soit vous avez une webcam avec quelqu'un qui veut vous regarder, mais oui. Ah, c'était pas des rencontres vraiment... Oh, c'était pas aussi développé que maintenant, où vous pouvez aller rencontrer des gens, puis parler avec des gens plusieurs fois, puis après les rencontrer. Non, mais par contre, c'était quand même très hard, là. Ouais, c'est là. Ça va? C'est des amis. Désolé. Donc c'était un peu ça, mais depuis quelques temps... Et du coup, vous mettez devant la webcam? Vous mettez devant la webcam de votre ordinateur, oui. Ok. Justement. Oui. Et les gens se mettaient quoi, tout nus ou... Comme vous le voulez, c'est vous qui le demandez, mais d'habitude, ils sont déjà dans la tenue d'Adam. C'est vrai? Et vous avez fait ça? Mais oui. Incroyable. On a toujours tout tenté quand on est jeune. C'est vrai. C'est le diable et c'est le démon, ils se sont acharnés sur moi. Quand j'en suis là. Mais ils ont fait quoi? Des oppressions. Mais comment ça se manifeste? Ils font bouger votre corps, ils utilisent votre voix pour vous parler. J'ai perdu la notion de temps. Je suis allé dans d'autres mondes. C'est la vérité, vous croyez pas. Hein. Ben, je vous crois. À travers l'esprit. Il y a des gens, ils arrivent vraiment à partir d'autres mondes d'une manière plus avancée, comme les sorciers par exemple, peut-être. En faisant le voyage transcendantal, tout ça, mais moi, j'ai vécu des expériences surnaturelles qui m'ont choqué, qui m'ont traumatisé, et donc ça a tout chamboulé, quoi. Je sais, ça fait peur, mais bon, c'est... Là, ça commence à me faire flipper, ouais, je vous cache pas. Il faut tout pour faire un monde. C'est beau, ces phrases. Allez, un dernier mot, Yves. Ah ben non, j'en ai marre des derniers mots. Attendez, c'est fini maintenant, c'est fini. Quoi? La boutique est close. Mais quoi? Fatigué. Mais un dernier mot. Apple, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Qu'est-ce que c'est? Appen? Oui. Ah, mais oui, c'est le site de rencontre. Oui. Ah ben c'est vachement bien ça. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ça a été un succès fou. Je sais pas pourquoi. Hein, j'ai trouvé l'amour comme ça. Ah, mais j'ai trouvé plusieurs fois l'amour. C'est là le problème, c'est que j'ai eu un succès tel que je savais plus où mettre de la... J'allais dire autre chose. Faut pas vous empêcher en fait. Hein. Mais non. C'est un gros bof.
Donne ta vie à Jésus-Christ, c'est ça le plus important. T'as pas besoin de site de rencontre. T'es un beau gosse, mec. Tu vas là, tu parles à une fille, c'est fini. T'as pas besoin de ça. T'es aussi beau gosse, hein. Merci, mon gars. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la mort. Ah, ouais. Ah mais t'as pas de réseau, là. J'ai pas de réseau, frère. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai cassé ma sim parce que les condés me cherchaient. Après, j'étais en cavale comme la crime. Repro 2, t'as capté. Et voilà, c'est parti en couille. Vous devez aller où? Je devais téléphoner et tout, il faut que je fasse une photocopie et ainsi de suite. Vous les faites où, vos photocopies? Bah là. Non, chez qui? Ah mais à peine, faites des photocopies. Oui. Ah bah je vais les faire maintenant tout le temps chez eux alors. Ah bah ça, il faut me le dire, attendez, il faut me le dire. Et est-ce qu'ils coupent les cheveux aussi? Oui aussi, ouais. Ah, bah bien sûr. À peine air. À peine air. Merde, mais j'arrive pas à l'avoir. Qu'est-ce que vous m'avez... C'est quoi? Vous trouvez pas l'application Appen sur le téléphone? Si, si, mais c'est pas là exceptionnellement. Parce que d'habitude, je suis toujours sur Appen. Ouais. Ah, vous n'avez pas l'habitude de passer des coups de fil, quoi. J'ai pas l'habitude. Là, il faut que je file un coup de fil à quelqu'un qui n'est pas chez Appen. Allez, bisous, Yves. Merci beaucoup. Hein. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yousra. Stylé. Yousra marocaine? Ouais. Ok, stylé. Et ben, un petit dernier mot sur les sites de rencontre, Yousra, c'est à toi? Tu peux... Oui, bah sortez-vous les doigts du cul et allez les voir en vrai. Hein? Merci, Yousra. C'est tout. Voilà, j'attends un miracle, c'est pour ça. Vous espérez. À Châtelet. Ouais. Force, hein. Merci. De rien. Vous sentez bon? Merci. Je suis désolé, il faut qu'on continue. C'est ça incroyable. Combien de temps je dois... Non, mais non, non, mais c'est bon. Non, sans déconner. Non, non, là, je lâche pas le morceau. Non, mais là, il en a marre. Il en a marre, Antoine? Oui, là, ça va rater mon cul. Hello, Chloé, la classe de vinyle de Woolsey, tu me prêtes? Allez, non, pas de réponse. Désolé, hein. Là, si vous veniez à vous séparer de votre compagnon, vous pourriez vous mettre sur... Ouais, carrément. Bah, je sais pas, je suis peut-être un peu trop vieille pour laisser d'enfant. Quel âge? 34 ans. Ouais, trop vieille. Ouais. Mais du coup, ouais, carrément pour. Okay. Vous ne pouvez pas savoir la haine que j'ai avec l'informatique et tout ça. Mais vous n'avez pas la haine avec? À peine. Ah non. Quand j'ai la haine, je pense à peine et immédiatement je retrouve le sujet. Oh, je l'adore. Il est incroyable. Et vous êtes très fort. Bon. Chloé, dernier mot, c'est toi qui clôture. Putain, j'aime pas les clôtures. Free from desire. Wow, on ne clôture plus. Allez. Franchement, change pas, incroyable. Hein. Antoine, pas dans le délire, laisse tomber. Pas dans le délire, Antoine. Pas dans le délire du tout. Pas dans le délire, ouais. Tu bois un dernier verre et tu bois. Allez, je te laisse avec Antoine. Tu m'attendais sur le bord du quai. Je me rappelle plus quand on s'est rappelé. Tous les jours, je mangeais du thé. Mais tu me disais qu'on boit le thé.